TV KPM. Bonjour, bienvenue à Didik TV. Je m'appelle Nisa. Comment ça va? Assalamualaikum, hai selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV. Rancangannya Teras bersama saya Nisa dan suka Nisa nak ingatkan anda semua untuk sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Kita dah lihat jumlah kes setiap hari turun naik dan kita telah dikabarkan untuk berjaga-jaga menghadapi gelombang keempat yang mungkin akan tiba sekiranya kita tidak menjaga SOP. Kekal memakai pelitup muka di mana saja anda berada, di tempat awam, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Wah, tadi Nisa dah cuba untuk bercakap bahasa Perancis ataupun French. Harap-harap betul lah tu ya bunyinya, dengungnya. Takut tersalah nanti lain pula maksudnya. Tapi kita tak nak orang kata apa memandai-mandai lah dekat sini. Kita kena ada cikgu yang akan beri kita panduan ataupun mengajar kita bagaimana nak berbicara ataupun bertutur di dalam bahasa Perancis dengan baik. Sebelum itu, kita berkenalan dengan guru-guru ini menerusi profil mereka. Jom kita saksikan. Baiklah, jom kita mempersilakan guru-guru bahasa Perancis kita iaitu Cikgu Nur Fauziah dari SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, baiklah, dan juga Cikgu Mamat Syukur dari SMK Datuk Mamat Syed. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais itu très je bien. Itu je saya tahu, merci. Cikgu. Baiklah, ni saya nak ingatkan pada anda semua, sekiranya anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu. Perlulah kita menyimpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih dan selamat. Jangan letak merata-rata ya adik-adik. Contoh macam Nisa, ada bekas plastik, boleh letak di dalam saku, boleh letak dalam poket plastik dan sebagainya. Yang penting, bila ia masih bersih, barulah boleh digunakan kembali. Kalau dah kotor, tukar yang baru dan jangan melebihi penggunaan selama 8 jam. Baiklah, Cikgu Fauziah, Cikgu saya. Syukur, hari ini saya rasa sangat teruja nak belajar bahasa Perancis. Biasa tahu kat TV je. Saya tahu merci, oui. Betul, comment ça va? Itulah yang diulang-ulang-ulang. Hari ini kita akan belajar mengenai topik yang lain di mana kita akan menggunakan bahasa Perancis untuk memperkenalkan ahli keluarga. Ya, tapi saya tidak bersendirian. Saya ada rakan-rakan yang akan turut sama membantu saya. Rakan-rakan kita ni rakan-rakan tingkatan 4 dan 5. 4 dan 5. Maknanya mereka ni dah pun belajar asas, dah tahulah ingin berbicara secara asas di dalam bahasa Perancis. Jadi mereka lah yang akan membantu Nisa. Kok-koklah nanti cikgu tanya soalan saya tengah-ngang-ngang pula kat sini. Cikgu, jom kita persilakan rakan-rakan kita dari SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak. Selamat pagi, bonjour. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Hai semua. Bonjour. Bonjour. Cikgu, kita nak dengarlah rakan-rakan kita ni perkenalkan diri mereka menggunakan bahasa Perancis. Kita nak lihat skill masing-masing, bunyi masing-masing betul ke tidak. Jom kita mulakan dengan rakan kita yang bernama Danish. Silakan perkenalkan diri anda. Bonjour, je m'appelle Danish et 17 ans. Apa tu cikgu? Dia memperkenalkan nama dia dan umurnya 17 tahun. Oh, 17 tahun. Baiklah, seterusnya rakan kita yang bernama Farah, silakan. Bonjour, je m'appelle Farah. J'ai 16 ans. Juga nama dan juga umurnya 16 tahun. 16 tahun tingkat 4. Seterusnya Alia, silakan. Bonjour, je m'appelle Alia et j'ai 16 ans. Alia berumur 16 tahun. 16 tahun juga. Rakan kita yang berada di tingkatan 4. Silakan Nurin.
Bonjour, je m'appelle Nouria Fazana et j'ai 17 ans. Baik, merci. Yang seterusnya kita persilakan Zamina, silakan. Bonjour, je m'appelle Zamina Jehet, j'ai 16 ans. Ya, 16 tahun. 16 tahun kita empat dan terakhir sekali kita ada Alia, ya? Ya, Alia. Alia, silakan. Alia tak dengar ke? Alia, jangan lupa buka Alia mikrofonnya. Samsu ya? Eh bukan ya? Samsu sudah ya? Samsu belum. Samsu, ya, Samsu, maaf. Salah orang pula. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Samsul et j'ai 16 ans. Laju. Berabuk lah orang kata kalau cakap French tu. Kalau saya nak kata umur saya 25 berapa? J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Je m'appelle Nisa, j'ai 25 ans. Wah, boleh lah. Ya. Baiklah. Hari ini mungkin cikgu nak kongsikan apa yang kita akan belajar. Tetapi sebelum itu, kita ada video khas. Mungkin kita akan lihat lebih ramai kawan-kawan kita bercakap bahasa Perancis. Jom kita saksikan video ini. Bonjour, je m'appelle Chazril, j'ai 16 ans, j'étudie à Santas. J'ai une petite famille. Mon père s'appelle Nazri et il a 51 ans. Ma mère s'appelle Nini et elle a 41 ans. Dans ma famille, j'ai un frère et une petite sœur. J'adore ma famille. Bonjour, je m'appelle Amar. J'ai 16 ans. Je viens de Paris-Unta. J'ai une petite famille. Mon père s'appelle Maman Ifka et il a 47 ans. Ma mère s'appelle Sidi Saouda et elle a 47 ans aussi. J'ai une grande sœur et une petite sœur. J'ai ma famille. Bonjour, je m'appelle Iman. J'ai 16 ans. Je viens d'Ipo. J'ai une grande famille. Mon père s'appelle Zainal et il a 51 ans. Ma mère s'appelle Hasiza et elle a 49 ans. J'ai trois sœurs et deux frères. J'adore ma famille. Bonjour, je m'appelle Farisha. J'ai 16 ans. Je viens de Kamouté. J'ai une petite famille. Mon père s'appelle Faisal et il a 43 ans. Ma mère s'appelle Alia et elle a 41 ans. J'ai deux frères, mais pas de sœurs. J'ai ma famille. J'adore ma famille. Saya sayang keluarga saya. Ya, betul lah. Bolehlah tu faham sikit-sikit kan. Mungkin saya perlu memperbaiki sedikit sebutan. Along the way kita belajar ni, insyaAllah mungkin saya akan menguasai sedikit ataupun asas bahasa Perancis. Baiklah, Cikgu Syukur dan Cikgu Fauzia, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Mungkin kita boleh membuat sedikit pengenalan terhadap subjek kita. Silakan, Cikgu. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga kita. Okey, keluarga saya, ma famille. Ma famille. Okey. Bon. Bonjour. Et pour commencer aujourd'hui, nous allons étudier sur le sujet de ma famille. Okey. Pour commencer, je vais vous présenter ma famille. Okey. Voilà, moi, c'est le mari, le père, ok. Mon prénom est Abdullah. Ensuite, c'est ma femme, ok, la mère, et elle s'appelle Rina. Ensuite, c'est mon fils aîné, il s'appelle Zafri, et le cadet, il s'appelle Zafran. OK. Je résume. OK. Ma famille se compose de 4 personnes. Il y a ma femme, mes 2 fils et moi. Alors, dans ma famille, nous avons un père, une mère et 2 garçons, un fils aîné et un fils cadet. Voilà. Ensuite, je vais vous poser 10 questions. Ada soalan. OK.
De quoi s'agit-il? Qui veut répondre? De quoi s'agit-il? Les enfants? C'est bon à jouer. C'est bon à jouer, ok. Moi aussi. Oui. Oui, Farah. Il s'agit-il d'une famille, la famille d'Abdullah? Merci, très bien. Merci, très bien. Ok, ensuite. Voilà, aimez-vous votre famille? Qui veut répondre? Moi, monsieur. Ok, allez-y, Samcho. Oui, bien sûr, monsieur, j'ai ma famille. Très bien. Très bien. Ok. Ensuite, le troisième, avez-vous un frère? Avez-vous un frère? Moi, monsieur. Oui, Alia. Oui, monsieur, j'ai un frère. Il s'appelle Adine. Très bien. Et le quatrième, combien de sœurs avez-vous? Moi, monsieur. Oui. J'ai deux sœurs. Elles s'appellent Fitra Djihane et Rouzan Djihane. Très bien, Zamina. Très bien. OK. Cinquième, comment appelez-vous le père de votre père? Moi, monsieur. Oui, Dani. C'est grand-père, monsieur. Très c'est bien. Grand-père, monsieur. Et il s'appelle Nazri. Nazri. Elle est 80 ans. Wow. Très bien, merci. Très bien, merci. Merci kawan-kawan semua setakat ini. Apa yang Nisa dapat ikuti adalah ini adalah soalan-soalan berkaitan dengan keluarga. Memperkenalkan keluarga, memberitahu siapa ayah, siapa ibu, mungkin adik-beradik, ya? Saya dah boleh kenal sedikit perkataan French. Dan yang di rumah pun, jangan lupa ambil pen, ambil kertas, buku nota untuk kita sama-sama catat apa yang kita pelajari sepanjang episod ini bersiaran. Baiklah, cikgu. Saya rasa kejap lagi mesti cikgu ada nak tanya soalan pada saya. Saya nak kena study dahulu. Kita berehat seketika, ya? Okay, cikgu, boleh. Baiklah, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa sebentar lagi. TV KPM Didik TV KPM Bila dia hilang, tak ada bangsa. Terima kasih, cikgu. Bienvenue à Didik TV. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita telah lihat video ucapan yang dihantar kepada kami bersempena dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu, di mana tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Guru pada 16 Mei. Temanya adalah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baru. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bahasa Perancis. Kita nak memperkenalkan ahli keluarga kita. Monsieur, Madame, allez-y. Merci, Nisa. Merci. Bon, ensuite, pour continuer, okay, avant d'aller plus loin, okay, je vais donner la parole à Madame Fozia. Merci. Pour continuer. Allez-y. Merci, monsieur. OK, aujourd'hui, on va apprendre les autres membres de la famille, d'accord? OK. Voici les lexicales de la famille. Les parents. Quand on dit les parents, on a le père et la mère. Le couple, c'est le mari et la femme. Ensuite, on a les grands-parents. Pour parler des grands-parents, on a le grand-père, la grand-mère. Et aussi, il y a des enfants. Okay? Pour les enfants,
Pour le garçon, on dit le fils. Pour la fille, on dit la fille. Ensuite, dans la famille aussi, on a les frères et sœurs, donc frères et sœurs. Et pour les grands-parents, ils ont les petits-enfants. Et pour le garçon, on dit le petit-fils. Pour la fille, la petite-fille. Ça va, les élèves, c'est compris? Vous avez... Oui, madame. Ça va, oui, ça va. Très bien. OK, on va continuer. Oui, madame. OK. On a aussi les cousins. OK, pour le garçon, on dit le cousin. Pour la fille, on dit la cousine. Et ensuite, on a aussi les oncles pour l'homme et pour... on continue. Pour la dame, on dit la tante. OK? L'oncle, c'est le frère de notre père ou bien le frère de la mère. La tante, c'est la sœur de notre père ou bien c'est la sœur de notre mère. OK. Pour les enfants de les oncles et la tante, on a le neveu. Ça, c'est pour le garçon. Et la nièce, c'est pour la fille. Et ensuite, on a les beaux-parents. Les beaux-parents, c'est, on dit le beau-père, c'est-à-dire le père de la femme. On va regarder plus tard. Et aussi, il y a la belle-mère. OK? Et on a aussi les beaux-frères. Quand on dit le beau-frère, pour le garçon, c'est le beau-frère. Pour la fille, la belle-sœur. OK, ça va? Pour maintenant, les filles, les garçons, les enfants, ça va? Ça va. Vous avez compris? Ça va, madame. D'accord. Ça va. Très bien. OK? Cikgu, kalau diorang masih OK, kita tanya. Kalau masih mengikuti, beri ni satu double thumbs up. OK, d'abord, semua masih OK. OK. Allez-y. OK, ensuite, on va passer sur la famille suivante. OK, je vais présenter la famille de Fawzia. OK, voici Fawzia. OK, c'est dans la famille de Fawzia, monsieur. Très bien, OK, s'il vous plaît. Je vais mettre ici. Plus bas. Plus bas, d'accord. Voilà. Ça va? OK. Fawzia, il a un frère qui s'appelle Idraki. OK? Et elle a aussi une sœur. OK? Qui s'appelle Kisha. OK? Bien. Donc, on va parler la généalogie de Fawzia. En haut, okay. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. Voilà. OK? Bien, pour les trois enfants, hein, Fawzia, Kisha et Idraki, ils ont un père. Voici le père. Le père s'appelle Fazli. OK? Monsieur, s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà, comme ça. OK? Et Fazli, le père, il a une sœur. C'est sa sœur. La sœur de Fazli, qui s'appelle Mira. Et ensuite, Fazli aussi a un frère qui s'appelle Izan. Voilà. C'est la famille de Fawzia. Fawzia a une sœur et un frère. Ils ont un père qui s'appelle Fazli. Et Fazli a une sœur et un frère. Je vais passer par ici. Donc, Mira et la tante. La tante de trois enfants. Mm-hmm. Izan, c'est l'oncle de trois enfants. C'est compris? Vous avez compris?
OK, comme ça, on fait comme ça. D'accord, très bien. Très bien. Bien, on continue? Oui, allez-y. Mira, elle est mariée. OK? Elle est mariée à Nazrin. OK? Ça, c'est la femme. Ça, c'est l'oncle. OK. Mais le père, il a sa femme aussi. C'est la mère de 3 enfants. Voilà. OK? Ça, le père, la mère de 3 enfants. Mira, c'est la tante. Oui. Izan, c'est l'oncle. Nazrin aussi, c'est l'oncle. OK, ça va? Les enfants? OK, très bien. Bien, OK. Les 3 enfants sont... Idrati, c'est le neveu. Le neveu. Fawzia et Kisha et les nièces. OK? Bien. Et Mira et Nazrin, ils ont aussi 10 enfants. OK. Un garçon qui s'appelle Hassif et une fille qui s'appelle Hana. Peut-être il vaut mieux, monsieur, si on met comme ça. Oui. Pour bien marquer la famille. OK. Voilà, monsieur. Okay, merci. OK, c'est l'enfant de... Oui. OK, c'est lui et... C'est Fazli. Fazli et... Izan. OK. D'accord. Bien, on a regardé déjà le père, la mère, l'oncle, tante, neveu et nièce. Et nièce. OK. Ensuite, pour les cousins et la cousine. OK. C'est par ici, pour les enfants. Hana est la cousine. C'est une fille. C'est la cousine de Idraki, de Fawzia et de Kisha. Hassif est le cousin. OK? Cousine, cousin. D'accord? So Hassif est le cousin d'Idraki, de Fawzia et de Kisha. Ça aussi là, à l'envers. Hein? Idraki, c'est le cousin. Fawzia et Kisha est la cousine. Cousine. Très bien, Nissa. OK. Tout à l'heure, j'ai dit Idraki, c'est le neveu de Mira et Nazrin. Hassif est le neveu de Fazli et d'Asila et aussi de Izan. OK? Hana est la nièce de Fazli, d'Asila et d'Izan. OK? Ils sont mariés, la femme, le mari. Ils sont mariés, le mari et la femme, c'est, mais Izan, il n'est pas marié. Il est célibataire, OK? Bien, c'est bien, par ici, les enfants? Ça va? Très bien. OK. OK. Mira, Fazli et Izan, ils ont un père. C'est le père de ces 3 enfants là-bas. Et la mère. La mère de Fazli, de Mira et d'Izan. OK. OK. Voilà. OK. Donc, on a le grand-père de ces 3 petits-enfants. La grand-mère de ces 5
enfant. Mm-hmm. Baiklah, sekarang ini kita dapat lihat ini adalah family tree ataupun alur susu alur keluarga, susu galur keluarga lah. Kalau kita nak perkenalkan siapa bapa, sepupu, anak saudara lelaki, anak saudara perempuan di dalam bahasa Perancis. Setakat ini saya mengikuti la cousine, la cousine. Saya tak boleh lah sikit-sikit. Kita akan berhenti rehat seketika yang di rumah. Teruskan mencatat apa yang anda belajar setakat ini. Kita akan bertemu kembali selepas ini. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Bienvenue Didik TV. Masih bersama saya Nisa dan juga Cikgu Fauzia, Madam Fauzia dari SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak serta Mozio Syukur dari SMK Datuk Muhammad Said. Baiklah, jom kita teruskan. Alizi, Madam Mozio. Okey, bien, on va tout déjà regarder l'arbre généalogique de Fauzia. Okey, il y a des questions. Okey. Tout d'abord, comment s'appellent les parents de Fauzia? Qui veut répondre? Ok. Comment s'appelle? Ok. Oui. Nourine? Nourine. Le micro. Le micro. Pas. C'est le microphone dibuka ya. Oh, tak dengar. Ok. Ok. Baik. Il s'appelle Fazli et Asila. Bien, très bien. Il s'appelle Fazli et Asila. Très bien. Ok, ensuite, question numéro 2. En fait, combien d'enfants ont les grands-parents de Fauzia et qui sont-ils? Qui veut répondre? Moi, madame. Ok, Alia, allez-y. Alia. Il y a 3 enfants. Okay. Ils sont Mira, Asila et Izen. Ok, très bien, Alia. Ensuite, okay. Question numéro 3. Est-ce que les grands-parents de Fauzia ont-ils des petits-enfants? Qui sont-ils? Siapakah mereka? Oui, Danish, allez-y. Oui, madame. Ils ont 5 petits-enfants. Okay. Ils sont passifs. Ils sont, ok. Hana. Oui. Très bien. Idraki. Uh-huh. Kisha. Oui. Et Fauzia. Oui, très bien. Très bien. OK, question numéro 4. Question numéro 4. Monsieur? La tante de Fauzia se marie avec Nazrin. Okay, ils ont 2 enfants. Qui s'appellent? Moi, madame. OK, allez-y. Qui veut répondre? Moi, madame. Hasib et... Hasib est la cousine de Fauzia et Hana de la cousine. Ok, très bien. Okay. Hasib c'est la cousine, Hana est la cousine.
Okey, question numéro 5. Okey. Ha, saya nak tanya lah. Boleh? Atan. Okey. Okey, baiklah. Soalannya. Qui est Asila Aizan? Très bien. Qui est Asila Aizan? Numéro 6. Numéro 6. Qui est Asila Aizan? Okey. Siapakah Asila? Pada Aizan. Qui veut répondre? Oui, Syamsul. Moi? Syamsul. Asila est la belle-sœur des ans. Ah, yeah. C'est la belle-sœur. Très bien, Syamsul. Très bien. OK? Next question. Qui est Nazrin Zailani? Très bien. Siapakah Nazrin? OK, Danish, OK. OK. Nazrin est le beau-fils de Zailani. OK, et le beau-fils de Zailani. Très bien. Ensuite, question numéro 8. Qui est Zailani à Nazrin? Qui est Nazrin? Moi, madame. OK. Mina. Zailani est le beau-père de Nazrin. Très bien, c'est le beau-père. Ensuite, numéro 9, monsieur. Qui est Asila à Nour? Okay. Moi, madame. OK, Nourine. Asila est la belle-fille de Nour. Okay, très bien. C'est la belle-fille. Et la dernière question. La dernière. Qui est Nour à Asila? Moi, monsieur. Okay, oui, allez-y. Alia. Nour est sa belle-mère, la belle-mère d'Asila. Bravo. Voilà, très bien. Très bien. Merci. OK, bien. Mm-hmm. OK, on peut passer au segment 3. Mm-hmm. OK, ensuite, il y a des questions. Yeah, retrouve les noms de membres de ma famille en utilisant les informations ci-dessous. Mm-hmm. OK? La première question, est-ce que... Qui veut lire? Qui veut lire? C'est quoi? C'est... Mm-hmm. Attends. Kita akan teruskan ke segment seterusnya, rakan-rakan okay. di rumah. OK, Syamsul, est-ce que tu peux lire? Syamsul? Okay, allez-y. Oui, est-ce que tu peux lire la phrase? Vous voulez bâtir, Samson? Je m'appelle Sophie et ma mère est Elisa. Très bien. OK, numéro 2. Alia, peut-être, tu peux lire, Alia? Les parents de mon père sont Paul et Anna. Mon frère, David et moi, nous allons souvent chez eux. OK, très bien, Alia. Question numéro 3. Je peux appeler Farah. Farah, est-ce que tu peux lire? Oui, madame. Oui. Ma mère a un frère et une sœur. Très bien. Mon oncle et sa femme, ils ont deux filles qui s'appellent Mia et Lia. Et ma tante, elle est célibataire. 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 OK, okay. Très bien. OK. Question numéro 5. 4, pardon. Danish, OK? Moi, madame. Allez-y. Mon père, Adam, oui. Il a deux sœurs. Deux sœurs. Luna, ma cousine, et la fille de Pan, Eva. Très bien. Très bien. Très bien. OK. Mon cousin, et la fille Yuni de Pan, F. OK. OK, très bien. La dernière question. Mm-hmm. Zamina, est-ce que tu peux lire? Oui, vas-y. Oui, allez-y. Les parents de ma mère sont Pierre et Marie. Mm-hmm. Voilà, okay. Très bien. Très bien. D'accord. Les enfants, la semaine dernière, je vous ai donné la charte comme ça. Est-ce que vous en avez avec vous? Voilà. Mm-hmm. Très bien. Baik. Pernyataan yang dibaca oleh rakan-rakan tadi. Rakan-rakan kita akan mengisi... Okay. Family tree ini. Baik. OK. Selon les phrases ici, vous allez écrire, OK, qui sont à quelle place. D'accord? Je vous donne 2 minutes, monsieur? Oui, 2 minutes. Assez. OK? Bien. Kita beri masa sedikit untuk rakan-rakan kita melengkapkan family tree. Isi tempat kosong menerusi pernyataan yang telah dibaca. Contohnya ayat di sini, Je m'appelle Sophie et ma mère est Lisa. Okay, très bien. Très bien. Oh, betul. Kita cuba. Yeah. Okay.
kita nak lihat rakan-rakan kita. Family Tree Nisa tak siap lagi cikgu, tak apa ke? Maaflah cikgu, tak buat kerja sekolah hari ini. Yang di rumah jangan buat macam Kak Nisa buat tau. Kalau guru-guru berikan kerja sekolah, kerja rumah, pastikan anda lengkapkan ia sebelum dihantar pada waktu yang ditetapkan. Baiklah, rakan-rakan kita okay, macam mana semua? Okey, les enfants. Peut-être on peut demander à Nisa. Oui. Oui, Nisa. Okay. Ada soalan untuk Nisa. Baik, baik, baik. Saya cuba. Okey. Comment s'appelle votre père, Nisa? Oh, mon père s'appelle Muhammad Aminullah. Oh, très bien. Bravo, Nisa. Baik. Monsieur. Et votre mère, Nisa, comment s'appelle votre mère? Ma mère s'appelle Shafura. Voilà. Bien prononcé. Très bien, oui. Okay. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs, Nisa? Oui, j'ai deux frères et quatre sœurs. Très bien. Voilà, c'est une bonne élève, oui. OK? Merci, merci. OK, les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Quand kita dah siap. Ça y est, c'est fini? Yang di rumah pun boleh cuba, oui, ya? Oui, c'est fini, madame. OK, très bien. Okay. Oui, c'est fini, madame. OK. Oui, c'est fini, madame. C'est fini, d'accord. OK. Voilà. OK. Pour les... Pardon, la première question. OK. Boleh cikgu? OK. Pour Alia. Comment s'appelle pour les parents de mon père? Voilà, je suis... C'est par ici. OK, Lisa. OK, okay. Oui, Lisa. C'est par ici, n'est-ce pas? Attendez, oui, je vais vous regarder. Ah, madame, viens ici, là. D'accord. Oh, on a pas, oui. OK, pour le père de Lisa, comment s'appelle-t-il? Ici, les grands-parents. Les grands-parents. Alia. Alia. Allez-y. C'est par ici? C'est la... Quelle est la réponse? Pierre et Marie. Pierre et Marie, très bien. On a Pierre... Oh, pardon. Oui. Et Marie. Voilà. Okay. Très bien. Très bien. OK. Et ensuite, comment s'appelle la sœur de Lisa? Farah? Par ici. Oui, madame. Comment s'appelle la sœur? Répétez ce que vous dites. La sœur d'Elisa, Sophie, madame. La sœur d'Elisa et Sophie. Non, pas ce n'est pas Davy. C'est ici. Davy. À côté d'Elisa. C'est David. Non. C'est elle. C'est David. David, c'est par ici. Et elle. Oh, pardon. Hein? David, oui. Ça va. OK, je vais vous écrire. C'est David. Et ici, c'est Elsa. OK, Farah? C'est bien? OK, bien. Okay. Ensuite, ici, c'est quoi le nom? Danish? Oui, madame. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse par ici? C'est Paul? C'est qui? Oui. C'est Paul et Alice. Alice. Yeah, oui. Paul et Alice. OK? Très bien. Et en bas, Nourine. En bas, Nourine, quelle est la réponse? La réponse, madame. Oui, en bas ici. En bas. Répétez, s'il vous plaît, madame. OK. La réponse pour Paul et Alice, ils ont deux enfants. Okay. Quels sont les noms? Les enfants de Paul et Alice. C'est qui? Mia et Lia. Ah oui, Mia et Lia. Très bien. OK. Donc, on va peut-être donner toutes les réponses. OK. Voilà. Est-ce que vous en avez la même? Montrez-moi votre réponse. Montrez la réponse. Montrez. S'il vous plaît. Les kertas awak. OK. Tunjukkan kertas. Semua dah lengkap, ya? Betul ke ikut tak dengan jawapan apa yang tertera di kaca TV anda?
Cacher votre compétence. Est-ce que vous l'avez... Très bien. Très bien. OK. Merci. Merci. Donc, voici les grandes familles de Lisa. OK? Lisa a deux grands-parents. Hein, les grands-parents de son mari et les grands-parents de Lisa. OK? Voilà. Voilà. Baiklah cikgu, sebelum kita ke segmen seterusnya ataupun sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya kira kawan-kawan di rumah pun tengah buat family tree masing-masing. Yeah. Saya pun nak cubalah. Kita akan berhenti rasa ketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. KPM Didik TV KPM Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebelum kita meneruskan pembelajaran bahasa Perancis kita, saya nak bacakan satu kad ucapan digital ataupun e-kad yang telah dikirim kepada kami di Didik TV. Seperti anda lihat di belakang saya ni, ini adalah kad ucapan hashtag terima kasih cikgu dari adik Ainul Hanani daripada Satu Bestari. Terima kasih kreatif kad ucapannya berserta dengan gambar-gambar guru-guru di sekolah beliau. Baiklah, terima kasih sekali lagi adik Hanani kerana mengirimkan ikat tersebut. Jom cikgu, madam, muzio, kita teruskan. Alizi. Bien, merci Nisa. Okay, pour récapituler notre leçon aujourd'hui. On va regarder encore une fois lexical de la famille. D'accord? Bien. On a les parents. Le père et la mère. Hein? Par exemple, on a Fazli et Asila. On a Mira et Nazrin. Et aussi, on a Zailani et Nour. OK? Ensuite, le couple. Le mari. Hein? Par exemple, Nazrin, Fazli et Zalani, ce sont les maris. Et la femme, exemple Mira, Asila et Nour. OK, les grands-parents. Le grand-père, c'est Zalani. La grand-mère, c'est Nour. OK, les enfants. Bien, le fils, on a Fazli, Izan, OK, pour Zalani et Nour. Et on a Hassif pour le couple Mira et Nazrin. Et Idraki pour le couple Fazli et Asila. OK, les frères et sœurs. OK. Hassif est le frère de Hana. Hana est la sœur de Hassif. OK. Les petits-enfants. Il y a 5 petits-enfants pour Zailani et Nour. OK. Voilà. Okay. Ensuite, on a les cousins. OK. Hana, Hassif, Indraki, Fauzia et Kesha. Yeah. Et aussi la cousine. OK. OK. Ensuite, les oncles et neveux. OK. Par exemple, Nazrin. L'oncle de... L'oncle de Indraki. OK. L'oncle de Fauzia. Et Izan aussi, c'est l'oncle de Indraki, Hana, Asif et les autres petits-enfants. OK, on a la tante. Par exemple, comme Mira. Mira, c'est la tante de Indraki, Fauzia et Kesha. Ensuite, on a les beaux-parents. OK, les beaux-parents, par exemple, Zailani, c'est le beau-père de Nazrin. OK. OK. Et la belle-mère.
La belle-mère. C'est Nour. C'est Nour. C'est la belle-mère de Nazrin. Okay. Et Asila. Et Asila aussi. Merci. OK, le beau-frère. C'est le beau-frère et la belle-sœur. OK, le beau-frère. Nazrin. Nazrin. OK, Nazrin. C'est le beau-frère de Fazli. Fazli. Et aussi de Izan. Oui. Et la belle-sœur. Asila. Asila. Et la belle-sœur de. La belle-sœur de Mira. Mira. OK. OK. Voilà. Voilà, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère, monsieur aussi, en espérant que les enfants, tous les élèves à l'école et à la maison, vous avez bien compris la relation dans la famille. Baik. Okay. Setakat ini apa kita telah belajar adalah hubungan ahli keluarga, ibu bapa, atuk dan nenek, mertua, menantu, sepupu, adik beradik. Okay, adik macam Isan tadi bagi tahu Momper, Safel, Mama Aminullah nama ayah saya. Mamel Safel Syafura nama ibu saya. Baiklah. Saya rasa inilah apa seronoknya di Didik TV ni. Setiap hari kita datang, kita akan belajar perkara yang baru. Yang di rumah pun, kalau anda tidak mengambil mata pelajaran Perancis, tak apa. Boleh belajar sikit-sikit. Boleh tengok kembali episod-episod teras di Didik TV. Di saluran YouTube NTV 7 Malaysia. Boleh belajar. Saya pun nanti nak buka baliklah. Belajar tulis betul-betul dan cuba sebut dengan betul. Supaya tidak menjadi maksud yang lain. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dari SM Sains. Raja Tun Azlan Shah, Taiping, Perak. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fauzia, Madam Fauzia juga dari SM Sains Raja Tun Azlan Shah Taiping Perak dan Mozio Syukur dari SMK Datuk Muhammad Said Nila. Terima kasih Mozio Mezami. Mozio pula anda. Merci Mezami. Au revoir. Kita akan berjumpa lagi episod teras seterusnya. Ini kita akan belajar bahasa Arab pula. Hari ini memang Arab, apa Perancis, bahasa saja. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Au revoir. Au revoir. Assalamualaikum and hi everyone. I Zarina binti Muhammad Ali, the mother of Nurin Shahzana. I'm very proud of her French speaking skill and I hope it will benefit her in future and also in the present. In the meantime, I would like to thank you very much to Madam Fauzia Hanim for teaching her, and I really appreciate it. Thank you very much, madam. Bonjour, je m'appelle Anwar Azman, j'ai 33 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en France et j'ai vécu en France pendant 8 ans. Sama sejahtera, nama saya Anwar Azman, saya seorang jurutera aero angkasa dan saya dulu belajar di National Institute of Applied Sciences di Rouen, Perancis. Kenapa saya pilih untuk belajar di Perancis? Pertama sekali, tentulah sebab bidang saya minat adalah aero angkasa dan negara Perancis memang terkenal dengan industri aero angkasa dan juga industri berteknologi tinggi macam otomotif, tenaga. Yang kedua, pengaruh bahasa dan budaya Perancis ni sangat meluas dalam bidang fashion, masakan, seni, sastra. Jadi saya berminat untuk menguasai bahasa Perancis untuk mendalami perkara-perkara ini. Yang ketiga, bahasa Perancis ni dikuasai oleh ramai orang di seluruh dunia. Di Kanada, di Belgium, di Switzerland, sehinggalah ke Kepulauan French Polynesia. Sebagai seorang jurutera aero angkasa, memang banyak kelebihan berlutut dalam bahasa Perancis. Saya dapat mengembara ke serata dunia dan juga dapat berhubung dengan ramai orang yang berbahasa Perancis. Jadi kepada adik-adik di luar sana, saya sarankan cubalah belajar bahasa Perancis kalau ada peluang. Tak rugi belajar bahasa selain daripada bahasa Melayu, bahasa ibunda atau bahasa Inggeris. Banyak manfaatnya dan memang takkan rugi.